Bonjour mes petits Canadiens, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo spéciale, je m'en vais faire un tour de scooter, mais pas avec mon petit Biwiz. Mais non, je m'en vais avec le petit Stock à ma soeur. En fait, non. En fait, ça me tente à soir d'aller avec mon chum de gars, faire une petite ride en mobilette. Ma soeur, ça fait genre 2 mois qu'elle n'a pas utilisé maintenant qu'elle a une voiture. Fait que là, j'ai réussi à le partir. Ça me tente juste de l'essayer, voir si mon ami, mon chum de gars peut aller. Quand je dis chum de gars, c'est chum de gars, c'est pas chum homo, non. Chum de gars. Je veux juste voir s'il va bien, puis qu'il peut l'essayer, puis que s'il a pas l'air de casser en deux. Mais on va en profiter pour débuter cette vidéo, juste pour aller faire une petite mini ride de banlieue, là, 2 minutes, juste pour voir ça a l'air de quoi. Let's go! Le son est beaucoup moins fort, mais là, pour commencer, je pense qu'il y a une crevaison. Pas sûr, hein? Allez, on dirait qu'il va s'étouffer, j'aime pas ça. Alors, maintenant, je vais le mettre là-dessus. Ouais, ça a l'air un petit peu mou. Mais bon, pour l'accélération, elle est vraiment super, je trouve, pour un petit 50cc. Ah, regardez ça. C'est quand même pas trop mal. Ah, je sais pas, on dirait que la direction est bizarre là. Vraiment, c'est parce que les pneus sont mous là, mais la direction est bizarre là. J'ai de la misère à tourner, on dirait. Bon, ça fait vraiment drôle, Louis le Canadien sur un petit scooter stock là, qui a de la misère à pogner 50. Mais ouais. Mais pour moi, il va très très bien. Je l'ai jamais détesté, ben j'ai souvent ri de ma soeur avec son petit scooter stock là, mais... Ça c'est un Yamaha Biwiz 2004. Il y a 2 ans de plus vieux que le mien. On va s'essayer juste un petit top speed. Ah ouais, pousse-toi, monsieur. Je suis dans le fond, là. Bon, on est dans un quartier résidentiel, on ira pas plus vite, mais... Il prend quasiment 70, cette petite mobilette-là, presque 70, un stock. Il doit prendre 67 à peu près, là. On va couper ça là, et on se retrouve ce soir avec Fred le hockeyeur. Donc, nous sommes prêts à faire notre petite promenade. Et Fred le hockeyeur s'avance ici dans le chemin. Comment ça va, Frédéric? Ça va très bien. Content d'aller faire une promenade de mobilette. Oui, très content. Où sont tes gants? Tes gants de moto, où est-ce qu'ils sont? Ici. Oh, wow! Des beaux gants, ça? Merci. Des beaux gants dignes de Saint-Isidore de Clifton. T'es prêt? T'es prêt? Donc aujourd'hui, il fait très très beau, mais très chaud, là. Il fait doit faire quasiment 30 degrés avec l'humidité. Et je m'en vais avec Fred, le hockeyeur. On s'en va en campagne, dans le coin de Johnville, Martinville. Ben, c'est ça que je pensais, là. Tu sais, prendre du bon air frais de campagne, là. Moi, à job, il y a moins d'ouvrages, donc là, on est mardi. Mercredi, jeudi, vendredi, j'ai congé, donc un beau week-end de 5 jours pour moi. Une chance que je pars en manque d'argent. Allez, passe en avant, mon cher camarade. Sans avoir une meilleure vue. Ouais, donc ça faisait 2 mois à peu près qu'il n'avait pas runné le petit Biwiz à ma soeur. Ça va sûrement lui faire du bien, rouler un peu, se dégraisser un peu. Mais là, j'espère qu'on n'aura pas de trouble de moteur, peu importe, à cause de la forte, la grosse humidité. Je sais pas s'il est dans le fond, lui. On est dans le chemin de la Dame Blanche, comme je l'appelle. Ouais, mais vous êtes chanceux pareil, hein? 2 scooter blocks de suite, là. C'est quand même pas payé, je trouve, pour vous, là. Ça fait longtemps que je voulais faire un scooter vlog avec quelqu'un, là, parce que tout seul, tout le temps tout seul, là, c'est un peu dommage, là, des fois.
Vas-tu bien quand même? T'étais-tu dans le fond? Ok. Tu vas-tu? Ouais, mais j'ai pas grand-chose à vous dire, hein. Donc, j'espère que ça vous dérange pas que je mette une musique de fond puis que je laisse ça aller là, avec le beau coucher de soleil puis la petite promenade. Oh, une MR2 turbo, wow! Oh wow, man, le beau son. Hey, c'est la petite Integra vert armé. T'as déjà croisé celle-là. Tu peux passer en avant. Tu passeras en avant. Oh shit, ils vont avoir bientôt une autoroute ici qui va rejoindre ce quartier-là. C'est Carrefour Giratoire, je veux dire. Hey, c'est nouveau les deux lignes ici aussi. Est-ce que t'es dans le fond? Non. T'es-tu dans le fond? Je crois que ça le chauffait de même. T'as, si tu veux, tu peux te mettre plus, tu peux te mettre au-dessus de 60, ça dérange pas non plus. Là. Tu peux te mettre au-dessus de 60, ça dérange pas. Tu peux mettre quoi? Tu peux te mettre au-dessus de 60, ça dérange pas. Tu sais, quand je vous dis que c'est un beau chemin ici, là, c'est un beau chemin. On est pas à Montréal ici, là. Non. On est dans les cantons de l'Est. Ce qu'il y a de best quand tu restes les cantons de l'Est. Il y a quoi de stress? Il y a quoi de stress? Je pensais qu'il continuait à rire. Y'a pas de stress. Y'a des universités, des collèges et des cégeps. C'est très bien quand il fait moins de fret. Tu trouves la place sur une terrasse avec la sémigration. La suite, check les petites chupettes qui cachent les fesses célestes. Les déesses des cantons de l'Est. Y'a pas de stress. Puis ça roule-tu bien? Tu peux l'éteindre. On va les laisser se reposer un peu. Ah! On s'est arrêté et on a décidé de prendre une bonne crème à glace. Là, elle est toute fondue. Moi, j'ai pris au chocolat puis frais de fruits au beurre d'arachide. C'est bon au beurre d'arachide? C'est caramel. On y va, t'es prêt? T'es prêt? Là, j'ai jamais fait de scooter vlog ici. Fait que tant mieux. Mais je suis pas sûr, je pense que j'en ai jamais fait. Alors, un petit top speed. Ha ha.
Hey, ça sent vraiment le brûlé chauffé, le dégueulasse. Je sais vraiment pas si c'est mon scooter ou si c'est son scooter, là, mais ça pue dégueulasse. Ici, on approche d'un camping que j'ai déjà été il y a 3 ans. Même, j'avais fait des vidéos là, dans le temps, là, en 2016, 2015. Même en 2015, les vidéos que j'ai faites dans ce camping-là, c'était vraiment de la bullshit. Là. C'était des vidéos que... J'avais une petite action cam, là, c'était pas une GoPro, là, mais c'était une fausse GoPro, si on veut. Puis je la mettais sur mon vélo, puis là, je me promenais dans le camping avec ça. Là. Puis là, j'uploadais ça, je mettais ça sur YouTube après. C'était vraiment mauvais. Là, c'est vraiment super parce qu'il fait très frais. Ben, il fait très frais. On peut exagérer, il fait chaud, mais là, on est bien. Là, il fait très doux. Tu sais, là, il fait plus chaud dégueulasse. Là, il fait vraiment doux. On est très bien. C'est juste parfait. À dire que je suis en train de dormir en ce moment, moi. Et que je suis content. C'est ici le camping qu'on était allé là. Camping du Pont-Couvreur qui s'appelle. Ah oui, d'ailleurs, j'ai un de mes abonnés, il habite ici à Compton, France, là. Ça doit être un de mes plus jeunes abonnés, je pense qu'il a 9 ans. Il habite à Compton, si je ferais. Ben mon cher ami, je suis à Compton présentement. Ah là, du coup, on dépasse. Oh my god, c'est pas sûr. Ok. Je me demandais si c'était une police pour tant de jours. Bon, Fred, là, cailleur, il y a 10 000 chars en arrière de lui. Je sais même pas où est-ce que je vais, tu sais. Je suis allé à Knoxville, là. Je sais même pas où est-ce que je vais. Ça marche même pas. Ça fait vraiment longtemps, ça m'avait vraiment manqué ce genre de ride-là, man. Vraiment, là, c'était le fun. Si faire attention, il y a souvent des chevreuils. Donc les amis, j'espère que vous avez apprécié ce scooter vlog avec Fred le hockeyeur. Moi j'ai trouvé bien amusant. Ben, j'ai bien aimé ça faire une ride avec mon ami, mon meilleur ami Frédéric. Mais bon, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à mettre un beau like si vous avez apprécié. Ah. Mousse niaisage.
Ah! C'est les lettres, juste une lumière allumée. Puis c'était-tu ça à coffre ou c'était à chien? Vous voyez les amis, différents scooter stock. Lui il est parti de là, on a fait combien de kilomètres? Genre 40, 45 au moins. On a dû faire au moins 50 kilomètres. C'est lui il est resté quasiment en haut, puis moi je suis rendu vide quasiment. Ah, ils sont bien fatigués, les mots de chien. Bon, ben, c'était le fun comme ride. On s'en reprendra.